tout de suite sur Winner One Télévision. Magazine. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, inyola sibi, lobeni mumusi. Spectateurs de Winner Télévision, c'est un plaisir d'être devant vos postes récepteurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Gina Ndiang. Avec elle, nous aurons à parler de la décoration événementielle. Et comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est vraiment un plaisir, c'est pas une première fois, vous êtes déjà passé dans cette émission. Pour toujours animer nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter pour faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent? Alors, moi c'est Gina Ndiang, je suis décoratrice événementielle et au fait je suis aussi en même temps infographe, voilà. Je suis infographe, secrétaire ici à la Revue Congo-Afrique. Madame Gina, dites-nous un peu, pourquoi vous avez décidé d'embrasser la décoration événementielle? Alors, moi, la décoration événementielle, je la vois comme tout d'abord une passion. Voilà. C'est une passion que j'ai, avec le temps, pu découvrir. Et finalement, j'ai compris que cette passion pouvait me ramener des sous, pouvait être bénéfique pour moi de manière lucrative, et c'est comme ça que finalement je me suis lancée. C'était tout d'abord cette passion-là, voilà, de décorer, d'orner, et ça fait plaisir, quoi, et je me suis lancée, voilà. Madame, dites-nous un peu, quelle lecture comparative faites-vous entre la décoration de l'autrefois et la décoration actuelle dans notre pays? Bon, une étude comparative, je peux le faire de manière assez brève. Les fêtes, entre guillemets, les mariages, la manière dont elle s'est déroulée, c'était tout à fait différent. Actuellement, c'est tout le monde qui veut de la décoration et c'est tout le monde qui veut les accessoires qui sont tendance, qui sont en vogue. Alors finalement, il y a tellement de choses qui changent, et ce aussi par l'apport du numérique, l'internet et tout. Lorsque l'on voit ailleurs ce qui se fait, finalement, on est tenté aussi de le faire ici. Et c'est comme ça que finalement, moi, je vois, je pense qu'il y a cette grande différence de ce qui se faisait hier et aujourd'hui. La décoration a littéralement changé. Il y a tout le temps des nouvelles choses à intégrer. Il y a tout le temps un nouveau concept qu'il faut aborder. Donc, c'est au fait ça, quoi. Donc ce n'est plus comme ici, en tout cas à Kinshasa, comme moi je l'ai connu, ce n'est plus cet ancien style que l'on avait avant, par exemple pour les salles. En tout cas, tout a changé, tout le monde veut ce qui est récent, puisqu'on a vu ailleurs, puisqu'on a vu sur Internet. Alors tout le monde cherche à avoir cette présentation-là, et en fait c'est ça, quoi. Donc c'est cette évolution finalement, cette évolution des supports, des accessoires, qui rend tout à fait différent la déco d'hier d'aujourd'hui. Voilà. Vous avez fait combien de temps dans la décoration événementielle? Que dans la décoration événementielle, ça fait... j'ai quand même commencé il y a bien longtemps. Je ne l'ai pas commencé sous forme d'agence actuellement. Je l'ai commencé moi-même. Je l'ai commencé en décorant. Comme je l'ai dit au départ, c'était une passion cachée en moi finalement que j'ai découverte. Alors, je me suis lancée exactement en 2013. En 2013, j'ai commencé des petites décos, tout d'abord par mon propre mariage à moi. Donc je me suis vraiment, j'ai aimé et j'ai ressorti cela. Et aujourd'hui, c'est toute une agence, voilà. Oui. Madame, parlez-nous en long et en large de Original Deco. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Le siège, c'est où? Et ça fait combien de temps que vous avez mis en place cette agence-là? Et quelles sont les difficultés en tant qu'agence Original Deco jusqu'à là vous avez pu rencontrer?
Alors, Original Déco, c'est mon agence de décoration événementielle. Alors, nous sommes situés ici au CEPAS, juste en face des affaires étrangères. Nous avons un local là-dedans où se trouve notre bureau, notre administration. Alors, Original Déco est là pour pourvoir aux besoins de ceux qui veulent la décoration d'un mariage, d'un anniversaire, de baptême, voire même des conférences. En tout cas, nous sommes dans tout ce qui concerne l'événement. Oui. Alors, non seulement en termes de décoration, nous sommes toute une agence qui s'occupe aussi de la formation. De la formation de ceux qui veulent bien apprendre ce que c'est que ce métier de décorateur événementiel. Nous y travaillons avec, en collaboration avec l'ONGRAC. Je pourrais citer Madame Chantal Faïda. Nous y travaillons en collaboration chaque année et à toute une session de formation en décoration événementielle. Voilà en bref ce que je peux dire de l'agence Original Déco. Avec le monde concurrentiel aujourd'hui, Madame, aujourd'hui c'est tout le monde qui veut embrasser la décoration événementielle. Est-ce que avec le monde concurrentiel, est-ce que Original Déco vous vous retrouvez avec le marché ou comment? Bon, il est vrai qu'il y a une grande concurrence, il est vrai que c'est tout le monde qui veut faire la décoration, il est vrai que dans chaque coin, tout le monde, une fois qu'il y a deux ou trois matériels, on se lance dans la déco. Et bon, on trouve tout de même des stratégies pour pouvoir avoir des marchés, c'est ça. Moi, comme je viens de le dire tantôt, nous organisons des formations. Alors, il nous arrive deux fois avec les apprenants, puisque finalement nous nous étendons. Avec les apprenants, il nous arrive d'avoir certains marchés. Il nous arrive avec ceux qui s'intéressent à l'agence. Donc, c'est comme une sorte de réseautage finalement que je crée. Hein? Il y a des gens qui viennent vers nous, qui apprennent et qui en retour aussi nous apportent des marchés. Donc, c'est un peu ce genre de collaboration. On travaille de collaboration, un peu en interaction. Voilà, justement. Et en tout cas, moi, j'ai expérimenté cela. Je me dis que c'est la majeure partie des clients que je reçois, je le reçois comme ça. Et deux fois, c'est après avoir travaillé quelque part, un client satisfait, voilà, un client satisfait qui finalement devient un moteur de publicité. Et du coup, on a encore du marché, oui. Et je le dirais aussi, ici au CEPAS, là où se trouve mon bureau, nous avons tout un grand espace de location, voilà. Nous avons tout un grand espace de location pour les mariages civils et c'est ce qui fait aussi que nous puissions nous retrouver avec des marchés tout au long du mois. Voilà. Est-ce que, parce que c'est un métier facile ou c'est un métier qui donne plus de l'argent que les autres métiers, dites-nous un peu, vous en tant qu'experte. Bon, je ne dirais pas d'emblée que ce métier donne plus d'argent que d'autres, non. Je reviens à ce que j'ai dit. Ce métier est un métier passionnant. Au moment des formations, j'aime bien poser cette question, pourquoi est-ce que les apprenants viennent pour apprendre la décoration? Alors, lorsqu'on pose cette question, du coup, le premier élément qui ressort, c'est moi j'aime la décoration. Moi j'aime mettre une petite fleur à côté. Moi j'aime orner. Voilà, donc la décoration, c'est tout d'abord cette passion-là. Hein? C'est lorsqu'on on sent qu'on a ce goût pour le beau, on sent qu'on a ce goût pour ce qui est bien présenté, alors il y a beaucoup de facilité de migrer dans ce métier de décorateur. Oui. Et surtout si vraiment on a une certaine détermination. Voilà. Donc moi je dis que s'il y a pas mal de gens qui veulent apprendre, c'est aussi par passion. Et deuxièmement, peut-être parce que à première vue, il n'y a encore rien à faire. Et avec la déco, il y a beaucoup de possibilités de se créer. Hein? Donc la décoration n'est pas difficile comme les autres sciences, soit les autres domaines.
Parce que les gens qui ont été en train de se faire, journaliste, une agence de décoration, un médecin, ils ont été décorés. Maman, ils ont été décorés. Vraiment, justement, pour moi, maman, ils ont été décorés. Ils ont été décorés. Bon, ils ont un métier, maman. Ils ont un métier, maman. C'est qu'ils ont opacité, ils ont embrassé. Nous savons que c'est un rapace. Nous savons que c'est en tout cas, on doit se le dire, c'est un rapace. Mais ils ont un nom quelque part. Kolingango, Galobango, décoration quand on est au sol sur le terrain. Et ça, obstacle, et ça, la difficulté. Alors, ceux qui montent dans la macasse et la beauté, il ne s'en sortira pas. Oui, il est vrai qu'on peut avoir des matériels, mais vous verrez au bout d'un certain moment à Tikinae. Hein? Donc, quelque part, il y a ce côté-là de la passion et aussi, en tout cas, ce moyen de pouvoir générer des fonds. Hein? Yomoko, Ogo Banda déjà avec nous, par exemple, lorsque nous donnons les formations, nous demandons aux apprenantes, après cette session, nous leur disons que nous sommes bien ouverts. Baya, ceux qui ont vu, ayoki atali solo, oh mon touté la lingua, tabasse les nappes, moi fond, aïa, nous allons l'aider. Tu vois, déjà là, nous donnons un départ. Hein, un départ pour celui qui est venu apprendre, pour se lancer à avoir ne serait-ce qu'un petit revenu. Donc, quelque part, c'est aussi ça. Les jeunes sont à la quête de l'emploi. Hein? Mm-hmm. Moi, par exemple, la session qui vient de se terminer, bazo salo peut-être ou moi, je suis la réloroté, mais il faut apprendre un métier. Il faut apprendre un métier. Il se lance dans la déco. Il sait qu'au bout de 2 ou 3 mois, Akos a déjà apte de faire quelque chose, tant mieux. Et il peut venir, il loue, il peut venir, on lui donne 2 ou 3 matériels, il se lance. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça, mais c'est quand même un métier très porteur. Hein? C'est quand même un métier qui est facilement recosunga, et recosunga puis montupe paf abandier logo assume bon. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Moi, je pense que c'est ce qui fait que les gens veulent bien apprendre la déco. Maman, je n'ai pas vu jusqu'à de peu bandit ma bambouille à décoration. Difficulté ni ni déjà au bout d'un an. Soit pas difficulté ni au bout d'un an, on a ma matali décoration. Parce que vous m'avez officiellement agence originale de Kosadi Naivon. La difficulté ni déjà au bout d'un an. Bon, pas bah, difficulté au bout d'un an. Et ça, mingi deux fois, bon, et ça, budget. Moni lelo. Moutounions au amouin internet à l'ingi à sala. Mais vraiment, moi je donnerai plus d'exemples qu'à ma mariage. Ma mariage, les leusa au moyen internet, on a peut-être l'ingi car la décoration. Mariage de rêve. Voilà, mariage de rêve. Yosuko l'ingi mariage de rêve. Bon, vous avez un bon voyage. Da de fond à tout la cannabis. Est-ce que photo mon akumana, tu t'es renseigné sur le budget? Un bien au total à la budget à ma décoration à midi l'été. Du coup, vous m'apportez une déco, vous voulez qu'on le fasse, mais avec quel moyen? Donc, difficulté de fois, vraiment, tout coûte à la en bois. Il y a deux fois même certaines décorations, tout ça, la caca pour moni, et c'est quand même aussi une stratégie. Une fois qu'on sale les décorations, au moment où on appelle Batoumsou Bazali, on a passé Péli, Batlion, Soubabota Minakati. Mais ce que tu as dit bien, c'est vraiment deux fois compliqué, le budget compliqué. Client Koyan et l'eau boé, ou bien des discussions belé pour le faire comprendre que bon moment est pour vous reprendre, n'a pas de monde d'union sauter. Et puis il y a deux fois, il y a aussi la difficulté du timing. Moi j'ai fait le constat à Kinshasa, les gens sont imprévisibles. On t'appelle un bon matin, ouf, maman, tout ça la décoration, maman. Donc, alors finalement je dis, quand on n'a pas l'esprit organisateur, on ne s'en sortira pas. Donc, si vous avez classé ou nettoyé, vous avez décoté ou nappé ou 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 pour client na Kinshasa en tout cas, jamais il te dira non, je prends rare en tout cas, je n'ai pas dit, je confirme, non. Il y en a quand même de ceux-là qui se préparent. Il y a 3 mois, 4 mois à l'avance, vous avez commencé un mariage. Mais tout comme à la veille, moi j'ai beaucoup d'exemples pareils. Jour ou tout même, c'est que ça c'est des grandes difficultés. Pour il faut que tu aies le déplacement matériel, il faut que tu aies l'équipe, il faut que tu aies le matériel, il faut que tu aies. Donc, et ça on dirait Moussala moi, bah, soldat, tout ça là. Vraiment avec l'expérience que j'ai. Pouf, déco, pouf, déco. Donc,
C'est un peu ça les difficultés. Difficultés, nous sommes sous PESA, cause à un abat matériel. Ça, c'est encore une grande difficulté. Nga, difficulté cause à un abat matériel, oh, Monique, ok. Pour cause à un matériel, c'est quand même avantageux, aux autres dépenser moins. Mais si cause à un ango, c'est aussi une grande difficulté. Ou alors, ils font un financement, ou alors, ils ont cause à vraiment un. Pas moyen. Pas moyen, ou aux avoir moins d'esprit, il y a économie pour te permettre au sombre matériel à chaque fois. Ou deux fois, ils appellent sacrifice et belé, j'en suis vraiment à la preuve. Sacrifice et belé, au moins, on sait les décorations pour aux upes l'autre côté, mais au sombre matériel, tout ça pour et puis que peut-être l'eau bureau pour ça, elle est là-dedans. C'est un peu ça, certaines difficultés que moi j'éprouve, en tout cas que j'ai éprouvé jusqu'ici. Maman, je n'ai pas de citoyen. Ce que vous avez fait, vous avez un catalogue. Ce que vous avez fait, c'est que madame Tiziana a fait fête anniversaire. Vous avez un catalogue, vous avez une salle de fête. Vous avez proposé une décoration. Vous avez un style. Il y a un style. Il y a un style. Il y a un style profane. Il y a un style de décoration. Vous avez un catalogue que vous mettez à disposition de clientes, de clients, ou binoka ka vous propose ça. Sans catalogue, vous allez avoir un téléphone, ton dengeni, ton tout le monde soupe les ali. Différence, bah montant est varié entre décoration à salle, dans les autres moments un marin civil le lot et comme peine à bah espace vert. La différence il y a bah moyen ali entre. Vous n'allez pas donner le moyen exact, mais vous allez nous démontrer. Ce qui va s'agir de décoration dans la cour, un espace vert, la salle, pour que ce n'est pas ton dégainé. Ton pèsant avec la décoration, oh, les alliés pour la cérémonie, il y a ton mot, oh, il y a pourquoi, ou que ce n'est pas les mais quand un peu qu'au limbo là, les téléspectateurs n'ont pas de travail. Oui, catalogue, et ça, on garde vraiment, dans ce cas, on a élaboré un catalogue, hein? Comme ça, il vous a un peu plus clair. Mais jusqu'ici, on a créé un petit dossier, on a un ordinateur ou une tablette. Je m'excuse, natier ba photo, hein, dans la se référer à car on a ba oh na salina pour ce petit client aye, ba oh ba image déjà nous ba chaque décoration ba photo to kangaka, ils ont tika comme modèle, hein, sous exemple ba modèle wana, ce qui client aye to ko tozo la c'est to moni oh to ça qui n'a pris tel, ce ko ligne en haut to ko ça la yo pe, o moni oh boy. Tout comme pesant ba client sous soupe a ko ya na modèle nae. Aye na modèle nae. Donc, le catalogue vraiment comme boué, et ça a une image de tout ça. Il y a un sous forme de catalogue, tout ça. Et de recherches que vous faites oui, sur internet. Et de recherches aussi, voilà. Tout comme aussi, on propose. Pour les clients, on peut faire une idée, alors on essaye de voir, de partir de son budget. Total budget, ça combien total budget, ça alors, on essaie de lui proposer quelque chose par rapport à cela. Oui. Ok. Et alors, par rapport à la différente décoration, est-ce que vous connaissez les alliés, décoration à mouille, il y a pourquoi, au bassin, la salle, au bassin, un lac ou au bassin, espace vert. Est-ce qu'il y a une différence, les amis? Bon, différence. Différence, nanette, beauté. Oui. Bon, différence, et ça a honte. Nadé, ma photographe, bazo sur ma biso, n'a pas prise à bien. Décoration sur ta salmina ou bien. En tout cas, et puis ceux qui peuvent poser une équipe à bien pour n'a pas la photo, n'a pas vraiment différence vraiment et ça la beauté. Mais moi, j'ai toujours préféré, hein, moi personnellement, bah, mariage après-midi dans le jardin. N'est-ce que vous pouvez dans la bouée, au moins vraiment dans le jardin, la verdure. Tout est naturel et ça la rassure moi c'est très beau. C'est très beau moulili oui mais moulili dans les salles peut faire ça bien éclairé avec bien des bien hein, motif pas bien au moins la salle les eaux rayonnées mais un après-midi en plein air et c'est magnifique quoi hein, c'est magnifique on profite de l'air et de la verdure et tout ça fait plaisir hein. Moi personnellement je préfère ce style là Madame Gina, parlez-nous un peu de vos projets d'avenir que vous avez en rapport avec toujours Original Déco. Ma projet ni d'avenir aux Anabo, même sous l'objet Original Déco, comment va commune, on sort. Même si on appelle ma province, Namboka Bapaya, dites-nous un peu quels sont vos projets d'avenir en rapport avec la décoration événementielle.
Oui, hein. Tout ça peut aller ici, original du coup, et fond en main, qui est partout dans l'RDC, pourquoi pas à l'étranger. Oui. Pour le moment, nos perspectives, et Zana, nous devenir un grand centre de référence en la matière. Bisotolingi, avec ce que nous avons appris aussi, avec ce que nous avons, nous voulons les mettre à la disposition des autres pour qu'ils viennent, ils apprennent eux aussi et deviennent meilleurs. Le centre s'appelle, en fait, Original Déco, avec déjà par le nom original. Nous, dans ma philosophie à moi, je me suis dit que tout le monde était original. Tout le monde était original, tout le monde a quelque chose de meilleur à donner au monde. Voilà, c'est même ça le sens même, l'essence de Original Déco. Nous, on se dit, tout le monde a quelque chose d'unique, tout le monde, Dieu nous a créés tous avec quelque chose de particulier. Alors, lorsque on met cette chose-là en exergue, en évidence, pour les autres, c'est encore meilleur. Donc, c'est ça, au fait, les perspectives d'Original Déco. Nous voulons être un centre qui aide, qui amène à transformer, ou qui aide même à ceux qui ne se sont pas encore découverts ou qui n'ont même pas découvert le talent qu'ils ont en eux, puisque moi c'est arrivé comme ça, j'ai découvert que j'avais un talent et finalement, paf, je me suis exprimée et voilà ce que cela est devenu. Donc, c'est vraiment parmi nos grandes perspectives, c'est devenir un canal, hein, un canal de découverte, de transformation qui peut aider pas mal de personnes à se découvrir, à aller de l'avant. Voilà. Tout d'abord, devenir ce grand centre oui, de transformation. Maman, je suis là, toi, un peu tôt, et bah, ce qui bat tout, bah, ça n'a ni moi, bah, ma camisane, bah, t'es à tout le monde, à l'élo, ou là, le lamou qui, agence qui gagne la décoration, et bimi, ou là, le lamou qui mout, qui gagne la commis décorateur. Est-ce qu'entre Bino, y a-t-il un réseau de décorateurs ici en RDC ou à Kinshasa? Est-ce qu'entre nos collaborations, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des décorations, comme on a dit, on a event, l'agence a des events, des décorations, tout ça. Est-ce que vous avez un bon terme ou il y a toujours des problèmes entre vous? Bon, moi, particulièrement, nous avons confronté l'agence sous souveraineté. Je suis en train d'évoluer dans mon coin, oui. Néanmoins, Naza n'a pas collaboratrice décoratrice, voilà. Donc, il y a deux fois, tous les gens qui baillent pour décorer, tout le monde a fait un peu de déco. Il y a maman Coco, il y a madame Lutigar, ma samba. Donc, il y a des décoratrices, avec le temps, tous se rencontrer, tous les réseauter, mais. Totoza comme une sorte de totoza est comme un camarade to sunganaka voilà bah réseau il y a un décorateur naï bien haut mais je ne me suis pas encore intégrée dans ces choses là pas ni au bout de côté yo linda olina encore ça yo mon solo ton tenga naza vraiment en solo té mais naza nazo tala nanu une fois on m'a proposé d'intégrer le réseau mais je me suis dit bon Natalanon, je ne suis pas aussi chaude à me lancer. Natalanon, puis évoluer un déco au pays et puis voir si ce serait possible. Mais t'es quel? Ceux qui peuvent oser ensemble, ben nous barra. L'union fait la force. Ceux qui peuvent oser ensemble, en cas c'est quoi? Ah bon, nous pèse à la baïde. Tu trouves pas que ce n'est pas mal aussi d'intégrer le réseau? Oui, ce n'est pas du tout mal parce que déjà l'expérience que j'ai avec les collaboratrices là, c'est quand même très intéressant. C'est très intéressant d'indiquer que deux fois on s'entraide. On s'entraide vraiment en matière de matériel, idées, propositions. Vraiment, il y a beaucoup d'échanges entre nous. Oui. Alors, je me dis aussi que s'il faut intégrer ce genre de réseau, ça sera bénéfique. Oui, ça sera bénéfique. Mais c'est tout simplement que je prends mon temps. Je prends mon temps d'appréhender la question, de voir si. À quelle mesure je pourrais m'intégrer, voilà, à quelle mesure. Donc, mais pour l'instant, j'analyse tout d'abord, voilà. Donc, on a souka ma solo n'est pas l'ilo. L'ilo bani n'a pas dit que le bambin de Kobata, l'ilo basi pour l'andabiso, en rapport à l'émission Olo.
Puis le banni en ligne, au copie que le banaba au baso, ça la plus moussa la décoration, tout bas au banni va embrasser décoration parce que yosa comme expert déjà, au général des côtes au yokakango, au sac à la formation, en le banni ne copie que paix ça, tout le conseil ni au yokopé ça n'a pas au nion sur les alliés pour la nervis. Bon, décoration, ils ont mis ça la moumou. Gaffe dans la citron. Là et souvent na découvrir pe batebélé na se découvrir aussi alors gars on le que à Monique na katinaé a zappé na poussa wana a se décourager a se lancer d'une manière ou d'une autre ce qu'a posé un conseil a se un conseil ce qui pas quoi retour na biso a yapé retour na biso pour ça vraiment monde moko très très bénéfique au gros bandango yo moko mais lobi pe tu te rends compte ça commence à te produire de l'argent donc moi vraiment j'aimerais encourager les jeunes les mamans parce que dernièrement on a même eu des mamans bah ils ont la formation donc des mamans bah ou bah Monique ah naï bah moi le coup politique en a qui quoi approfondir ils peuvent le faire donc donner face décourager surtout lorsqu'on sent qu'on a une passion pour quelque chose ou lorsqu'on a un talent. Le talent ne se cache pas. Le talent, il doit être visible pour qu'il puisse rapporter plus. Voilà. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui. Qui a ici pour vous, Madame Gina Ndiang, décoratrice, experte en décoration. Avec elle, nous avons eu à parler en long et en large sur la décoration, son évolution ici à Kinshasa. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui sont toujours là pour vos conseils, vos suggestions. Nous sommes là, veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. On voit Didier Mbongo, on voit Josias. Big salutations à vous et à toutes les personnes qui nous suivent. Nous sommes disponibles pour tous vos reportages, ouvertures médiatiques et autres. Veuillez nous contacter toujours à notre numéro plus 243 81 94 60 726 et la page Facebook Miroir de Femmes. On se retrouve très bientôt dans un même plaisir. Bye.